It is our responsibility to dance, to embody the essence of our true divinity. In our souls, we are all dancers, healers, singers, and creators. We all have something powerful to say, to give. Rhythms of the earth, with our inner rhythm. Salut les amis, je suis à Marrakech aux rencontres du bien-être 2017. J'ai rencontré Fatima hier. On était déjà amis sur internet, mais là on a fait plus connaissance. Absolument. Et Fatima, elle pratique la sophrologie et j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne, donc c'est l'occasion parfaite de vous faire découvrir ça et de vous faire découvrir l'univers de Fatima. Tu peux te présenter en quelques mots, qui tu es, d'où tu viens? Absolument. Alors Fatima Étienne Bajin, je suis franco-marocaine, depuis peu installée sur Marrakech. J'ai ouvert mon cabinet de sophrologue sur Marrakech. Ouais. Je suis d'origine marocaine donc, et précisément de Marrakech. Voilà. J'avais pour ambition de m'installer comme sophrologue sur Marrakech, parce que la discipline est très peu connue sur Marrakech. En revanche, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande, un besoin énorme de sophrologues. Donc, bienvenue à tous ceux qui veulent exercer la sophrologie de façon professionnelle sur Marrakech. Voilà. Voilà. Tu nous as bien expliqué, la sophrologie, c'est pas un truc que tu fais par hasard, il y a vraiment tout un cursus, non, oui, des voilà. Formations, absolument, carré. Absolument. Alors moi-même, j'ai découvert la sophrologie il y a un petit peu plus de 20 ans, donc c'est pas récent. Et puis la sophrologie, voilà, j'ai suivi un cursus, une formation sérieuse sur Nantes de 30 mois, 2 ans et demi, voilà, une formation sérieuse. C'est un vrai investissement. C'est un investissement personnel, ouais. Financier également, humain, voilà. Et voilà, oui. Et dans quel contexte la sophrologie est venue à toi? Comme je te disais, Stéphane, j'ai découvert la sophrologie, moi, lors d'une grossesse, en fait, il y a une vingtaine d'années, ouais. Où il a fallu que je reste allongée pendant 6 mois, les 6 premiers mois. Du coup, j'ai eu la chance de rencontrer une sage-femme sophrologue. Et ça a été vraiment le déclic. Et depuis, j'ai régulièrement pratiqué la sophrologie en atelier ou à titre individuel, voilà. Et puis un jour, voilà, reconversion professionnelle. Un travail personnel sur moi-même. Et puis j'ai envie de basculer, voilà, d'être moi-même thérapeute. Super. Et de prendre une formation, voilà, d'apprendre ce que c'est que le métier de sophrologue. Et avant d'expliquer vraiment qu'est-ce que c'est la sophrologie, d'où vient l'origine du mot? Alors, l'origine, d'abord, c'est un mot d'origine grecque, la sophrologie, donc sos qui veut dire tranquille, calme, phrène, c'est le cerveau, la conscience, et logos, logis, voilà, l'étude et la science. Donc, c'est une méthode scientifique à la base. Voilà, qui a été créé en fait par un médecin qui était le docteur Alfonso Caicedo, qui est un professeur, un neuropsychiatre colombien d'origine, qui a fait ses études en Espagne. Et en fait, il utilisait la sophrologie en fait à but thérapeutique en fait dans le milieu médical. Et puis il s'est rendu compte que en fait on pouvait appliquer la sophrologie, qu'il y avait beaucoup de champs d'application à la sophrologie, notamment dans le sport, dans l'éducation et l'apprentissage, en milieu également médical, hospitalier pour la gestion de la douleur, dans les entreprises, les institutions, la gestion du stress, voilà, le burn-out et tout. Donc voilà. Moi, ce que j'ai compris, la sophrologie, c'est un ensemble de pratiques
Oui. Relaxation, méditation, de beaucoup techniques, de choses. Voilà. Techniques, voilà. Techniques de visualisation, pardon. C'est des techniques statiques et des techniques dynamiques, ce qu'on appelle les relaxations dynamiques. Voilà. Donc il y a des protocoles pour chaque technique et en fonction des objectifs et des besoins de la personne accompagnée, du client accompagné, eh bien on adapte. À la base, si tu veux, on a ce qu'on appelle, on a un entretien d'une heure, 1h15, 1h30, avec la personne qui vient nous voir. Voilà, elle nous explique un petit peu ses besoins, ses attentes, ses inquiétudes, ses objectifs. Ça peut être pour toute... Pourquoi est-ce qu'on vient voir un sophrologue? Ben, on vient voir un sophrologue parce qu'on a envie de faire une reconversion professionnelle, comme moi par exemple. On vient voir un sophrologue simplement parce qu'on a du mal à gérer son stress. On vient voir un sophrologue parce qu'on a une maladie, qu'on a du mal à gérer sa douleur. On vient voir un sophrologue parce qu'on a des examens à passer, des épreuves ou un projet. Et qu'on a besoin de se recentrer sur soi et de comment dirais-je, d'avoir des capacités, de se dire voilà, je suis voilà. En tous les cas, le sophrologue, quel que soit le souhait, les besoins, le sophrologue accompagne au changement. Voilà, il accompagne au changement de façon positive et il fait prendre conscience à la personne effectivement qu'elle est capable, qu'elle a des ressources et des capacités pour accepter ce changement. Et pour aller vers, en fait, s'ouvrir le champ des possibles, qu'elle est capable de faire les choses, et toujours de façon positive. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est important, voilà. Dans ce que tu expliques. Ouais. Ce que j'ai expliqué sur l'atelier, voilà. Et toujours, voilà, voir le côté positif. Voilà, pas voir le côté négatif des choses, où les difficultés, les contraintes, elles existent, elles sont là, dans le quotidien de tout le monde. N'empêche que, voilà, il faut voir le côté positif des choses. Et il faut rester. Voilà, s'élever. Voilà, s'élever, se grandir, voilà. Et d'abord, c'est un travail d'introspection, c'est un travail personnel, voilà, on se redécouvre, voilà. Donc tu vas peut-être bientôt organiser des stages ou des choses au Maroc pour... Des ateliers, oui, des ateliers de groupe, des ateliers thématiques, voilà, pour apprendre à mieux dormir, mieux gérer son sommeil, des ateliers de gestion du stress également, des ateliers tout simplement d'équilibre général, d'être à l'écoute de son corps, apprendre à mieux respirer, simplement, gérer ses émotions. C'est pas toujours facile, voilà. Y a plein de on peut faire plein de choses en sophrologie. C'est vraiment, la sophrologie, c'est l'ouverture sur soi, l'ouverture de soi sur soi vers les autres et tout, voilà. Parce que c'est vrai, souvent en Occident ou en général, on a du mal de gérer ses émotions et on ne nous a jamais appris comment le faire. Mais récemment, j'ai rencontré des chamans qui ont des exercices de libération. C'est ça. Je pense à Tal Chaleur, par exemple. C'est vraiment très important de pouvoir libérer ça. Bien sûr, parce qu'à un moment, en fait, dans notre propre éducation et encore plus dans l'éducation occidentale, on a des croyances, on a des conditionnements dont on a conscience ou pas, en fait. Et du coup, ce sont en fait des facteurs bloquants en fait pour notre propre évolution. Et c'est des facteurs limitants en fait. Et c'est un peu dommage de se dire j'ai ces conditions. Enfin, parfois on n'en est même pas conscient. Souvent on n'est pas conscient de ses propres conditionnements. On fait les choses un peu de façon. On est dans une espèce de mode automatique en fait. On est dans un automatisme. Et le but étant justement de prendre conscience de ça et puis essayer d'amener un changement et un changement positif. Voilà. Et s'accepter tel qu'on est, voilà, avec une possibilité d'évolution. Et ça, c'est très important. Et j'imagine que toi, maintenant que tu es dans cette profession, tu sens le changement mondial et marocain aussi. Absolument. Il y a un intérêt vers absolument. Une autre, ouais, absolument, une autre façon Stéphane. De vivre. Oui. En tous les cas, il y a une demande croissante et moi, je suis agréablement surprise et tant mieux de découvrir que même au Maroc, on s'intéresse à la sophrologie. C'est une discipline nouvelle qui est peu connue, qui fait partie effectivement des thérapies holistiques. Et en fait, voilà, un fort potentiel de développement et une prise de conscience réelle des Marocains justement à ces méthodes de thérapie holistique et les méthodes de thérapie alternative. Et ça va dans le bon sens. Ce qui est peut-être bien au Maroc, c'est qu'ils n'ont pas
ils n'ont pas encore été dans l'excès comme chez nous. Exactement, peut-être qu'il y a moyen de ralentir un peu ce processus. Exactement, et davantage de travailler en prophylaxie, c'est-à-dire en préventif, effectivement. Ouais. Voilà, oui, il est temps. Quoique le stress commence à les gagner aussi, quand on voit la circulation. Les grandes villes. Voilà, ils sont confrontés au même. Voilà, moi, on me demande aujourd'hui d'intervenir sur Casablanca, sur Rabat, alors que, bon, au départ, je pensais que Marrakech suffirait, finalement. Voilà. J'ai de la demande maintenant sur Agadir, donc je suis un peu, surprise et agréablement surprise, et tant mieux. Donc, voilà. Et j'ai envie de t'entendre parler sur l'abondance. Je vais peut-être replacer le contexte. Moi, par exemple, ça fait un an que j'ai lancé mon projet Maroc en conscience. Donc, je fais des voyages. Ouais. C'est moi qui organise, qui fait tout. La promotion, internet, l'accompagnement. Ouais. Et là, j'arrive à un point où j'ai plus d'argent. Ouais. Et mon projet est un chouïa de vraiment la réussite. Ouais. Et quel conseil tu pourrais me donner pour vraiment permettre l'abondance d'arriver Ouais, alors... simplement continuer à être ce que tu es, voilà, authentique, vrai, simplement, croire en toi, voilà, ça c'est important, aller chercher au fond de toi, voilà, dans tes propres capacités, tes propres ressources, ce que tu es capable de donner, peut-être au travers de sacrifices, peut-être au travers d'expériences qui ne sont pas forcément positives pour toi, mais en tous les cas, ce sont des expériences. Mais justement, et tu n'en sortiras que plus fort, je pense, et plus grand. Donc moi, je te conseille vivement et sincèrement de persévérer dans ton projet. Parce qu'on n'a qu'une vie et que c'est important de vivre pleinement ses rêves. Ouais. C'est un peu ce que j'ai fait en venant m'installer sur Marrakech. Effectivement, il y a effectivement un lien affectif qui me lie à Marrakech. Mais moi, j'ai abandonné. J'ai laissé ma famille, un cadre de vie agréable, mes enfants, mon conjoint au Maroc, voilà, pour venir m'installer à Marrakech. Et je l'assume totalement. Et je me trouve très épanouie aujourd'hui dans cette nouvelle aventure qui est riche d'enseignements. Donc, je pense que pour toi, tu t'es sentie guidée. Et accompagner. Ouais. J'aime bien accompagner, ouais. Et puis au travers de mes rencontres qui sont riches aujourd'hui, voilà, tu en es l'exemple, voilà. C'est plein de choses qui m'encouragent à persévérer. Et je te renvoie un peu l'ascenseur en disant persévère, c'est important. Merci Stéphane, merci à toi. Et est-ce que tu aurais un message pour mes abonnés, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de partager? Oui, alors Stéphane, moi je le suis sur son compte, sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube depuis quelques années maintenant. Nous étions amis sur Facebook depuis quelques années. Venir vraiment découvrir les séjours qu'il organise dans le désert, parce que c'est juste fabuleux, magnifique. Sincèrement, c'est vraiment une introspection, quelqu'un qui a envie de découvrir ce que c'est que le Maroc en conscience. Voilà, il faut absolument venir voir Stéphane, je les encourage. Peut-être qu'on fera un séjour ensemble. Absolument, puisque j'en fais déjà, moi, des séjours dans le désert. Tu sais que j'organise des séjours un petit peu partout. Mais de faire allier cette découverte, cette conscience et la sophrologie. Oui, je pense qu'au printemps, Inch'Allah, comme on dit. Ouais. Cool. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite pour la suite. Et vous voyez, le Maroc, ça bouge bien. N'hésitez pas à venir ici pour découvrir les belles énergies du pays. Et comme on dit en arabe, marhaba bikoum. Marhaba bikoum.